gas, canal de 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 gas. Organiser juste ce qu'on fait, cette conférence de presse ou ce point de presse pour juste nous indigner par rapport à une situation que nous avons, que nous sommes en train de vivre depuis le mercredi d'ailleurs. Malheureusement, on est resté à un moment donné où nos écrans sont flous, il n'y a rien en réalité. Nous avons constaté que du noir sur nos télés. Et pour quelques rares hommes qui ont des télévisions avec certaines autres antennes, ils n'ont eu qu'une seule image qui vient de la RTS. Et nous nous indignons pourquoi? Parce que le groupe Canal Plus Horizon est venu prendre le matériel des câbleurs. Nous, nous sommes habitués au câblage. Nous n'avons pas les moyens de nous payer le Canal Plus Horizon, les antennes de, ou les images de Canal Plus Horizon, qui pour la plupart du temps, au bas prix, c'est 5000 francs. Nous n'avons pas les moyens. Et c'est pour cela que nous nous sommes indignés. Parce que, en fait, il faut comprendre une chose, que le droit à l'information, c'est un droit universel. Et dans toutes les constitutions au monde, il y a le droit à l'information. Si les gens de Canal Plus Horizon doivent nous priver d'informations, pourquoi ils ne l'ont pas fait à l'intérieur du Sénégal? Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans les autres pays d'Afrique où il y a des câblages? Mais malheureusement, c'est Ziguinchor qui a été ciblé et c'est nous qui sommes atteints dans notre dignité, dans notre profonde dignité. Parce qu'on ne peut pas se demander, on ne peut pas comprendre qu'en réalité, des gens sortent de l'autre côté pour venir nous priver d'images, pour venir nous priver d'un des droits qui constitue un droit fondamental pour nous, le droit à l'information. Et donc c'est pour cela, nous avons convoqué toutes ces populations parce que vous avez constaté que malheureusement l'information n'est pas passée, mais vous avez vu le nombre d'hommes qui est là. Le nombre d'hommes, pourquoi? Parce que tout le monde a eu les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, qu'on nous a privés d'un droit et nous nous réclamons de ce droit-là. Parce que nous réclamons, nous nous acquittons de nos devoirs. Il est temps à l'État, pour l'État aussi, de demander à ceux-là qui par moment viennent nous priver d'un droit qui constitue un droit fondamental d'arrêter. Parce que trop sur trop, c'est ce qu'on a dit. Et on en a marre que les gens de Touba veulent encore nous coloniser audiovisuellement. On en a marre. Nous voudrions leur demander d'arrêter tout cela. Parce que dans les prochains jours, si les autorités sénégalaises ne règlent pas ce problème, nous sommes capables d'aller à la vitesse supérieure. Et quiconque nous connaît, je dis bien, comprenant les soucis et les préoccupations, parce que nous nous disons un mouvement qui est au service de la jeunesse, au service du peuple sénégalais. Quiconque connaît le mouvement Vision Citoyenne, nous mettons en exécution nos menaces. Nous ne menaçons pas pour ceux-là qui veulent l'entendre. Et nous nous avertissons que ce ne sont pas des menaces. C'est ce que nous avons l'intention de faire, c'est de descendre dans les rues, de manifester notre colère, parce que nous sommes très mécontents contre les autorités sénégalaises, nous sommes très mécontents contre le groupe Canal+. Horizon. La marche, nous pensons effectivement que la marche peut être organisée le mercredi soir, Inch'Allah. Nous nous attelons à la tâche pour que la marche soit. Parce que là, dans la constitution sénégalaise, on nous parle d'une demande de déclaration, d'une demande de déclaration d'occupation de la voie publique. Et ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est une demande de déclaration. Nous déclarons en ces circonstances à Monsieur le préfet de Ziguinchor que nous voudrions tenir une marche le mercredi soir à partir de 16h. Vous aurez sur votre table le lundi de tôt notre demande de déclaration de marche, vous l'aurez. Parce que nous comptons manifester dans la plus grande tristesse, dans la plus grande anxiété, dans la plus grande inquiétude, notre désarroi, notre désaccord par rapport à ces manipulations du groupe Canal Plus Horizon.